Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée. Tu ordonneras que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, que au nom de Jésus, et il laissera tes frères et tes sœurs pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir. Nous ne pouvons jamais servir maman et Baal. Pour les autres, parce que tu ne veux pas t'abandonner à Jésus, tu ne veux pas donner ta vie tout entière en Jésus. Oh, Jésus a besoin de toi. Jésus-Christ, il a besoin de toi. Mon onction est permanente. Viens me toucher, je rendrai. Moi, je serai guéri. Parce qu'elle a été déjà entendue parler de Jésus. Elle a entendu les miracles que Jésus opérait. Elle a entendu les miracles que le médecin par excellence opérait. Moi, j'ai parcouru tous les médecins, mais je n'ai pas arrivé à avoir la guérison. Mais moi, j'ai touché que le vêtement de cet homme. Et cet homme, au travers de ce vêtement, moi je serai guéri. Cette femme décida en elle-même. Et... vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous ne me saisissez pas. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Amen. Alléluia. Ce qui manquait à Paul, à ses pharisiens, l'Esprit Saint. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le vrai Esprit a compris que non, oui, c'est bien lui. C'est bien lui que j'ai persécuté. Paul a pleuré. Pharisien a pleuré. A changé son identité. Bien-aimé, tu es là. Tu pries Dieu. Je prie Dieu. Mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus. Tu as des difficultés de dire que non, Jésus-Christ est Dieu. Tu ne seras jamais sauvé ce soir. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que tu répuses ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Viens me capturer, je te dirai Jésus-Christ est Dieu. Mon grand, viens me toucher, je te lèverai. Viens me toucher, je te guérirai. Viens me toucher, je te donnerai les désirs de ton cœur. Il est là. Amen. Il est là, c'est Dieu. A écouté. Cette femme a entendu parler de Jésus. Bartimée a écouté Jésus passer devant lui. Jésus passe avec la foule. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'ont réprimandé. Oh, n'écris pas, laisse. Oh, il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a crié. Personne n'a fermé sa... C'est ça, la bonne nouvelle. 10 ans, 30 ans, dans ton cœur, il y a des gens qui sont en otage. Il y a des gens qui sont en captivité. Alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui. Hey, laissez-les partir servir Dieu. 20 à 30 ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, mais que tu as scellé toi. Tu ne vivras jamais. Toi, tu ne seras jamais heureuse. Toi, tu n'enfanteras jamais. Si le roi Nabucodonosor décida d'évangéliser au nom de Dieu suprême, laissez les trois compagnons de Daniel partir, servir leur Dieu. Et vous aussi, les Babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Combien de fois, bien aimé, toi, pharisien hypocrite, amen, tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus que Nabucodonosor. Il a changé sa vie. Amen. Tu es plus que bien-aimé. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, ah, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir
et toi tu les remplaceras. Amen. Tu es différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui, tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas le lui de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, Amen. Il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Amen. Toi, Pharaon, change ta vie.
nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. Un grand merci dans tout ce qu'il a fait dans notre vie. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu ça. Et ainsi que nous allons dire merci à ce Jésus-là pour son assurance à nous. Au nom de Jésus, prions le bon Dieu. Notre Père, je viens te dire merci ce soir. Merci de m'avoir donné le souffle de vie. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci de m'avoir conduit en ce lieu et merci de nous avoir conduit en ce lieu, Père, afin que nous puissions venir glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne d'être loué, adoré, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Merci pour ton assurance envers nous, Seigneur de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, tu es incomparable, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Père, oh, merci Seigneur, nous sommes arrivés au moment de ta parole, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est que rien sous un simple instrument que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part ce soir, Seigneur de gloire. Seigneur, accorde-moi ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, ô Père de gloire. Sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, je ferai des espoirs. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin, Père de gloire, Papa, que tu puisses manifester en moi ainsi qu'en Seigneur, Père de gloire. Parle-nous, Seigneur de gloire, délivre-nous à travers ta parole, parce qu'aujourd'hui c'est notre jour, Père de gloire. Sur le mercredi, Seigneur de gloire, Papa, le jour de la délivrance, de la guérison, Père de gloire. Nous voulons que tu puisses faire de grandes choses, de merveilles choses dans nos vies, éternel Dieu. De merveilles choses dans nos vies, Père de gloire. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Père de gloire. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, El Shaddai. Merci, Jéhovah Jireh. Dieu, Dieu, tu resteras Dieu. Père, merci. Je sais que le pauvre diable n'est pas du tout content. Et Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et si toute puissance se pille, rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi je déclare que le pauvre diable est sous nos pieds. Il restera sous nos pieds. C'est un ennemi vaincu sur la croix. Merci Seigneur de gloire, Papa. Il est sans tête, Père de gloire, mon Dieu. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. Nous le combattons dans la victoire et non pour avoir la victoire. Parce que c'est la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu nous as donné la victoire, Père de gloire, mon Dieu. Tu as dépouillé, détrôné le pauvre diable. Il est sous nos pieds. Il restera sous nos pieds. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos cœurs, Père de gloire, sont disposés. Nos cœurs sont disposés afin d'écouter ta parole. Seigneur, parle-nous, Seigneur de gloire. Parle-nous ce soir. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Loin de nous ce qui est du vol. Loin de nous ce qui est du dérangement. Dans le nom de Jésus. Que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang puisse nous protéger, que ton sang puisse nous purifier. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Amen, amen, je vous aime autant. Amen. Que Dieu soit loué, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5. En commençant par le verset 1er jusqu'à 20. C'est long, mais je serai rapide. Alléluia. Amen. Nous avons vu le dimanche, Dieu nous a parlé à travers sa servante, la prophétesse Georgine Samba. C'était dans le même livre de Marc. Elle nous a parlé de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle nous a fait voir aussi dans l'Évangile selon Jean, dans, au chapitre 8e, verset 32-36, là où la Bible nous dit,
Si tu racontes la vérité t'affranchira. Alléluia. Cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a beaucoup parlé à travers sa servante par rapport à cette dame qui perdait le sang pendant 12 ans. Cette femme avait pris sa décision de braver la condamnation. La femme a couru. La femme a touché le vêtement de Jésus. Et cette femme était guérie. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire l'effort de détruire les obstacles. Alléluia. La foule était là. La foule s'est présentée comme un obstacle devant cette femme. Il n'y avait personne qui était venu aider cette femme afin de détruire l'obstacle. C'était elle-même. Elle avait pris sa décision. Dès que je touche seulement le vêtement de cet homme, moi je serai guéri. Elle avait parlé, mais un obstacle était devant elle. Alléluia. Amen. Elle était bousculée, mais elle a fait par tous les moyens d'aller toucher le vêtement de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui souffre pendant 12 ans. Cette femme, je pense qu'elle n'avait pas la force. Elle est restée que dans un endroit peut-être fermé parce qu'il y avait déjà le désespoir dans sa vie. Quelqu'un qui a vu plusieurs médecins. Alléluia. Amen. Elle a vendu tous ses biens, toutes ses richesses, juste pour avoir la guérison. Mais la guérison n'était pas là. Alléluia. Amen. Pourquoi la guérison n'était pas là? Parce que cette femme-là n'avait pas la connaissance. Elle n'avait pas la révélation. Elle partait toujours voir oui, oui. Quand elle quitte oui, oui A, elle va voir oui, oui B, oui, oui C, oui, oui Y, oui, oui X. Elle ne pouvait jamais avoir la guérison. Alléluia. Amen. Il y a des bons et des faux. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher des vrais médecins. Alléluia. Amen. Il y a des faux et des vrais. S'il y a des faux, il y a des vrais. Alléluia. La femme a touché le vêtement de Jésus. La Bible dit, à l'instant même, le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta à l'instant même. Elle n'était pas consultée par Jésus. Avant la consultation, la femme a saisi, a eu la guérison. Alléluia. Et Christ n'a pas, il n'avait pas besoin de consulter la dame. Alléluia. Amen. Jésus avait son chemin. Il faisait son chemin avec ses disciples, ainsi que la foule. Mais la fille et la femme étaient derrière. Et elle était restée quelque part. Donc on peut dire que non, comme si elle était voleuse. Alléluia. Amen. Après avoir volé, écoute, bien aimé, il faut avoir des révélations. Il y avait la foule tout autour de Jésus. Alléluia. Il y avait la foule tout autour de Jésus. Beaucoup de monde suivait Jésus. Ces gens-là, on avait aussi besoin de la guérison, d'où de la délivrance. Alléluia. Il avait besoin, la foule avait besoin d'avoir quelque chose auprès de Jésus. Mais elle ne savait pas, la foule ne savait pas comment faire. Le miracle était au milieu d'eux. La bénédiction était au milieu d'eux. Mais les aveugles qui étaient, ils ne comprenaient pas. La poule ne comprenait pas. Même eux-mêmes et les disciples ne comprenaient pas. C'est lui qui était à côté d'eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à un moment bien-aimé, tu es dans cette église, tu pries quelque part, tu es en présence de Jésus, mais tu n'arrives pas à recevoir quelque chose. Il faudrait qu'une personne qui viendra hors de cette église puisse venir chercher la délivrance auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, tu comprendras. Tu es dans quel endroit? Alléluia. Amen. Oui,
c'est la vérité. Saisissons l'opportunité. Tu es dans cette maison, mais tu n'arrives pas à recevoir. Tu es disciple de Jésus, mais tu n'arrives pas à recevoir. Et vous verrez un certain Zachée. Après quelques années, un Zachée se présenta devant Jésus qui s'est bon, a saisi l'opportunité. Et maintenant, ça sera quoi maintenant dans ton cœur? Tu seras jaloux, jalouse de la personne. Alléluia. Amen. Mais non, tu as voulu que tu puisses rester dans cette position. Reste-toi dans cette position avec ton ignorance. Alléluia. Amen. Jésus est là, tu marches avec Jésus. Abraham a compris. Abraham savait que non, je marche avec Jésus. Il faudrait que quelque chose change dans ma vie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans mon message. Abraham a compris. Il marche avec son Dieu. Quand cet homme a compris que non, son nom d'Abraham a changé à celui d'Abraham, Abraham a dit que waouh, maintenant que tout change dans ma vie, je deviendrai intercesseur. Alléluia. Amen. Le nom d'Abraham change à celui d'Abraham. Waouh, j'aurai Isaac à moi. Amen. Alléluia. Amen. Il peut avoir des révélations. Sarahi, son nom a changé à celui de Sarah. Waouh, je ne resterai plus jamais stérile, mais je deviendrai la maman d'Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence à changer le nom d'Abraham ainsi que de Sarah, le couple a eu la révélation. Nous ne resterons plus jamais les mêmes personnes. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient déjà visités. Quand Dieu commence à changer quelque chose dans ta vie, cela veut dire qu'il y a déjà quelque chose là. Amen. Alléluia. Amen. Qui pourra condamner cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans? Qui? Même les apôtres, incapables. Jésus dit, ma pire, ta foi t'a sauvé. Écoute, Dieu nous a déjà parlé de ce thème. Parle pas de ce thème. De cette femme. Alléluia. Ce qu'on est en train de voir maintenant, Dieu nous a déjà parlé cela. Mais à ce moment, Dieu a changé la façon. D'une autre manière de vous prêcher sa parole. Alléluia. Amen. On a déjà parlé de ça. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que non, l'inspiration vient de Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'inspiration de Dieu, tu n'arriveras jamais à prêcher la parole de Dieu. On a déjà parlé de cela. Tel qu'aujourd'hui, nous allons voir encore. Alléluia. Amen. Que tout change dans ma vie. Amen. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Bien-aimé, je voulais que, avant que je puisse commencer de lire la parole de Dieu, une petite démonstration là où tu es. Tu dois sortir là où tu es. Alléluia. Amen. Tu dois sortir là où tu es. Amen. Parce que c'est ça mon message. Amen. C'était ça le message dont la prophétesse nous a prêché. Le dimanche, la femme était restée condamnée. Elle disait, il faut que je sors. Cette femme a sorti dans la prison. Elle était condamnée. Cependant, prison à vie. Mais elle a dit, je m'empêche de votre condamnation. Il faut que je sors. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais tu dois sortir là où tu es. Amen. Si tu ne sors pas, ça sera difficile pour que tu puisses te raconter avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois sortir. Amen. C'est à toi de prendre la décision. Amen. C'est à nous de prendre la décision. Alléluia. Amen. Commence-toi maintenant à sortir maintenant. Amen. Au moment que moi je lis la parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu est la guérison et la délivrance. Amen. Au moment que moi je commencerai à lire la parole de Dieu, toi commence-toi maintenant à sortir là où tu es. Amen.
Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de l'adopter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, cria et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, alléluia, amen. Le verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, ce n'était pas cet homme qui était surnommé c'est quoi, mais c'était les démons qui parlaient au nom de Dieu. Amen. Démons connaissaient très bien ton Dieu à toi. Amen. Si toi tu ignores ton Jésus à toi, amen, laisse-moi te dire la vérité. Satan connaît très bien Dieu. Amen. Satan connaît très bien Jésus. Alléluia. Les sorciers connaissent très bien Jésus. Amen. Ignore ton Jésus à toi. Ignore ton Dieu à toi. Je m'en fous, bien-aimé. Mais ce soir, je te dis ceci. Les démons, les magiciens, si c'est les rosicriciens, si c'est les morts, connaissent ton Dieu à toi que tu es en train d'ignorer. Alléluia. Amen. C'était l'esprit impur qui parlait à cet homme. Alléluia. Amen. Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Donc, il a compris que non, il y a un Dieu qui est là-haut. Amen. Fils du Dieu très haut, je t'acconjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Amen. Je réponds. Verset 7. Elle s'écria d'une voix forte. Qu'y as-tu entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'acconjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Alléluia. Bien-aimé. Satan sait très bien que non, il est faible devant ton Dieu à toi. Amen. Satan sait très bien que non, il est impuissant devant ton Dieu à toi. Amen. Alléluia. Amen. Car Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il est leur permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pattes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir.
et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent en suppliant Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Acclamons très très fort la parole puissante de Dieu. Jésus est puissant. Sa parole est puissante. Dieu est puissant. Sa parole est puissante. Il est puissant. Il est puissant. Le Dieu de Dieu. Le roi de roi. Le Seigneur des Seigneurs. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Merci que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous continuons notre thème. Aujourd'hui, c'est le quatrième volume. Que tout change dans ma vie. Nous venons de lire dans Marc chapitre 4, verset 1 à 20. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous fait voir. Jésus était dans son chemin. Il avait sa mission. Il partait quelque part, vers sa mission. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ils arrivaient sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Alléluia. Amen. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Alléluia. Amen. Mais Jésus avait son chemin. Jésus faisait son chemin. Waouh. Laisse-moi te dire, bien aimé, c'est dommage. Si tu laisses Jésus qui s'est passé comme ça, pendant que la Bible dit, on est né de nouveau. Amen. Nous sommes devenus les enfants de Jésus-Christ. Amen. Nous ne pouvons jamais laisser cet homme tranquille. On ne peut jamais manquer quelque chose devant Jésus. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais laisser Jésus tranquille. Parce qu'il est notre papa. Il est notre maître. Il est notre sauveur. Le seul vrai sauveur. Le seul vrai Seigneur. Dommage, bien-aimé. Si tu laisses Jésus que c'est tranquille, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas laisser cet homme tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a quelque chose à me donner. Amen. Il a quelque chose à moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien lui qui est le fournisseur. Amen. Si j'ai besoin de l'onction, je suis obligé de déranger cet homme et Jésus. Amen. C'est bien lui qui me communiquera. Amen. Si j'ai besoin d'avoir l'argent, je demanderai à cet homme. Si j'ai besoin d'avoir un vrai travail, je demanderai à cet homme. Amen. Si j'ai besoin d'avoir une belle voiture, une belle maison, je demanderai à cet homme Jésus. Je lui dérangerai, qu'il neige ou pas. Amen. Alléluia. Amen. Où irai-je? J'irai où pour demander quelque chose? Si ce n'est pas à Jésus-Christ, j'ai quitté le monde pour suivre Jésus. J'ai quitté Satan. J'ai quitté les endroits négatifs afin de devenir son serviteur.
ou irais-je encore pour demander quelque chose? Alléluia. Amen. Si ce n'est pas à cet homme, Jésus. Alléluia. Amen. Cet homme a compris. Bien-aimé, écoute. Quelqu'un qui était animé par des esprits impurs. J'ai dit les esprits impurs. La Bible dit, cet homme était animé par l'esprit impur. Selon la parole de Dieu, Jésus interrogea cet homme. Les démons se dévoilent devant Jésus. Jésus demanda le nom des démons, de l'esprit négatif qui était dans cet homme. Il se dévoila. Il dit que non, je m'appelle Légion. Mais je ne suis pas tout seul. On est nombreux. C'est-à-dire, après moi, les gens, j'ai encore mes collaborateurs. Alléluia. Amen. J'ai encore mes disciples. J'ai encore mes éléments. Bien, mais ce qui est étonnant, dans les versets 1 jusqu'à 3, la Bible dit, c'était le jour de cet homme. Jésus est le maître du temps. Amen. Jésus passait. Cet homme et sa demeure, c'était où? Dans le cimetière. Alléluia. Amen. C'est là que cet homme est passé la nuit. Il était un homme fort, plus que Goliath. Je vous dis la vérité. Plus que Pharaon. Les gens n'arrivaient pas à saisir cet homme. Quelqu'un qui brisait des chaînes. Comment tu peux t'approcher devant cet homme? Tu seras englouti. Tu seras néanti. Parce qu'à cet homme, il y avait une autre force. Mais laissez-moi vous dire, cette force était toujours inférieure de la force qui est en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi cet homme, quand il a vu Jésus, oh mais non, il a dit qu'aujourd'hui, il faut que je puisse sortir là où je suis. Amen. Cet homme a sorti dans le sépulcre. Juste là où Christ était. La Bible dit, il se présenta devant Jésus, il s'agenouilla. Alléluia. Amen. Il a bien compris que non, c'est bien lui Dieu. Ce n'est que lui que je peux adorer. Amen. Ce n'est que lui qui a la solution à tous mes problèmes. Amen. Je veux adorer que cet homme. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, ce n'était pas cet homme, parce que son esprit n'était pas là. Je vous dirai une chose, une révélation cachée. C'était les démons en personne qui étaient venus adorer Dieu. Amen. Les démons en personne. L'esprit des légions a décidé d'adorer Dieu. Il était aussi fatigué. Amen. Ils étaient aussi fatigués. Amen. C'était le temps de libérer cet homme pour aller faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Pharaon a endurci son cœur, parce que le temps de Zaïd n'était pas encore là, Amen. Pharaon était vous laisse partir. Amen. C'est-à-dire, avant que Pharaon puisse laisser les enfants d'Israël aller servir leur Dieu, Pharaon lui-même a commencé d'abord à adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont commencé d'abord à adorer Dieu. Pardon. Pardon, Seigneur, fils du Dieu vivant, tu es Messie. Je t'en supplie, guéris-moi. Écoute, je te dirai une chose. Démon est bourri. Amen. Démon est aveugle. Amen. Il a entré, il n'arrive pas à sortir. La entrée, pas de sortir. Parce qu'il est aveugle. Quand des mots entrent, pour sortir, c'est difficile. Si tu n'arrives pas, le démon restera là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est plus puissant de venir saisir des mots et de le faire sortir. Amen. Si tu le laisses là, il restera là. Parce qu'il ne voit pas. Amen. Mais ton Jésus à toi, il voit partout. Amen. Même te donne le dos, Amen. Il voit. Amen. Même il fait comme ça, il voit. Amen. Même sous la terre, il voit. Amen. Jésus sous la terre, Amen. A vie. Je sais pas te dire. Satan, il est déjà mort. Amen. Sur la croix, la Bible dit que Christ était mort. Amen. Mais Christ est à vie.
Il faut que j'aille libérer ceux qui sont sous la terre. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu de loin. Mais ce n'est pas le pauvre diable. Il était tourmenté. Il ne voyait pas comment faire. Satan ne mangeait pas. Il manquait la nourriture. Voilà pourquoi c'était pour lui la chance. Une dernière chance pour lui. Quand il a vu Jésus, a dit que non, Seigneur, pardon. J'avais fait l'erreur grave. Je croyais que dans cette maison, je trouverais la nourriture. Or, qu'il y a la famine qui persiste. Puisque la famine qui était à l'époque d'Abraham. S'il te plaît, fais-moi sortir de cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Hey, bien-aimé, tu es là. Tu es là. Tu as un Dieu qui est puissant, mais tu acceptes quelqu'un qui est aveugle de rester dans ton corps. Mais tu es foutu, toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Démon supplie à Jésus. Cet homme ne voyait pas. Ce n'était pas cet homme qui parlait. C'est le démon qui parlait. Alléluia. Amen. Quand Christ te demanda, posa la question au démon, quel est ton nom? Ce n'était pas dit que non, ce n'est pas dit que non, Christ est incapable de découvrir ce qui était à l'intérieur de cet homme. Christ a vu. Christ a fait troubler le démon. Alléluia. Amen. Il a fait parler le démon. Je dois te troubler, toi. Quel est ton nom? Mais ce n'est pas notre manière à nous. On ne peut pas bavarder avec le démon. Christ a fait cela. Il savait que le diable ne pouvait jamais prendre l'autorité sur lui. Amen. Si tu n'as pas de révélation, tu commences à parler avec le démon, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Tu perds ton temps. Il peut te distraire, il peut te mentir. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu te dit, pose-lui la question, ah, tu dois obéir. Mais si Dieu ne te dit rien, ne le fais pas. Amen. Alléluia. Amen. Jésus savait pourquoi il agit ainsi. Mais il n'était pas incapable de savoir l'esprit qui était à cette personne. Il savait. Amen. Il savait très bien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te décider. Amen. Tu dois te décider. Les démons qui règnent à toi ne sont pas plus nombreux que les démons qui étaient à cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Pas forcément un petit. Si c'est miette de démons qui te tourmentent, mais tu n'arrives pas à prendre la décision. Tu n'es pas troublé. Cet homme était troublé. Comment c'est quelqu'un que Dieu a créé, celui qui a l'image de Dieu, peut aller dormir au cimetière, dans le sépulcre? Comment expliquer? Alléluia. Amen. Mais tu dois sortir là où tu es. Amen. Tu dois sortir là où tu es. Amen. Afin d'aller rencontrer Jésus. Amen. Afin d'aller rencontrer la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. C'était une façon. L'esprit des légions a déclaré de libérer cet homme. Il avait compris que non, ce n'est pas ma demeure à moi. Je suis qu'un locataire. Amen. Le propriétaire de cette maison est là. Amen. Voilà, cet homme passe. Je voulais maintenant restituer sa maison. Amen. Vu qu'il était incapable de sortir. D'ailleurs, il ne paye pas le loyer. Alléluia. Amen. Combien de années impayées? Il ne paye pas le loyer. Pour entrer dans une maison, le démon le premier, pour régulariser la situation, il n'arrive pas. Pour sortir aussi, il n'arrive pas. Alléluia. Amen. Nous allons bien comprendre, bien-aimés. La Bible dit, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chien est brisé, le fer. Et personne n'avait la force de le docter.
Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre. Dans le sépulcre. Lis ta Bible très bien. Le sépulcre, c'est qui au pluriel. Alléluia. Amen. Dans le sépulcre. Et sur les montagnes, criant. Et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas de démons en toi, mais pour te prosterner devant Jésus, c'est tout un difficile, un problème pour toi. Pour pouvoir te prosterner devant Jésus, tu n'arrives pas. Mais regarde cet homme qui était possédé. Regarde-moi les démons. Ont eu quand même l'idée de se prosterner devant Jésus. Amen. Devant ton Dieu à toi. Amen. Qui te bénira. Il sait très bien que dans ce jour-là, il y aura ma délivrance. Alléluia. Amen. C'est les démons. Ils cherchaient la délivrance. Amen. Ils cherchaient la délivrance. Je vous dis que les démons cherchent la délivrance. Amen. On va bien comprendre. Peut-être on vous a mal expliqué la parole de Dieu. C'est les démons qui parlent. Ce n'est pas cet homme-là. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est envoûté, si quelqu'un perd de sa tête, il ne peut jamais parler des choses normaux. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien toi qui comprendras. Amen. Mais là, Jésus faisait la conversation, pas avec cet homme, avec les démons. Les démons ont venu chercher Jésus. Les démons ont venu se prosterner. Merci Seigneur. Le jour de la naissance de Jésus, qui était venu premier adorer Jésus? Les mages. Amen. Les astrologues. Amen. Ils étaient venus adorer Jésus. Amen. Pour te dire que bien aimé, que tu refuses ou pas, même si tu refuses d'adorer Jésus, même les démons adoreront Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront obligés de rendre gloire à ce Dieu, le Dieu créateur. Amen. Refuse ou pas. Refuse de faire le service de Dieu. Dieu engagera les démons. Amen. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar était serviteur de Dieu. Dieu dit, mon serviteur Nebuchadnezzar. Amen. Allez va maintenant dans ma maison, saisis tout. Amen. Nebuchadnezzar était au service de Dieu. Amen. Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Amen. Dieu utilise Satan dans la vie de Job. Il a trouvé du boulot. Amen. Je suis venu chercher du boulot. Amen. Se prosternant devant Dieu. Amen. Tu es le vrai PDG, c'est toi qui payes. Toi tu payes mieux que tous les patrons. Amen. Alléluia. Amen. Refuse-toi d'adorer, de louer l'éternel Dieu. Mais je te dirai une chose. Les démons viendront adorer Jésus. Amen. Parce que l'ange de Chine était créé par Dieu. Amen. Il connaît très bien la puissance de Dieu. Amen. Il ignore la puissance de Dieu. Ignore l'existence de Dieu. L'ange déchu a cela dans sa tête. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, alléluia. Amen. Il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qui a-t-il entre moi et toi? Malgré cela, il est aussi impoli. Dieu ne peut jamais avoir une bonne relation avec le pauvre diable. Il n'y avait pas la relation. Amen. Qui a-t-il entre moi et toi? Mais il n'y a plus de relation. Amen. Il n'y a plus de relation. On avait des relations. Ils avaient des relations. La relation a été déjà rompue. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus, fils du Dieu Très-Haut, je t'acconjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Alléluia. Amen. Il avait compris, s'il ne parle pas, il aura des tortures. Mm-hmm. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, ne me tourmente pas. Alors, pour que tu ne puisses pas ramasser des coups, toi-même, sors de cet homme. Mm-hmm. Sors de cette maison. Amen.
Libère cette maison. Sors maintenant. Amen. Jésus a entendu ce que les démons lui disaient. Alléluia. Amen. Jésus a dit, bon, pas de problème. Mais le problème est que là, je te demande juste de sortir de cet homme. Alléluia. Amen. Et puis, quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom lui répondit, car nous sommes plusieurs. Alléluia. Amen. Quand on vous dit les gens, c'est-à-dire, ils étaient au nombre de 6000. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as 6000 démons dans ta vie, dans ton corps, mais tu es tranquille, tu es à l'aise. On avait suivi un prophète avec beaucoup de facilité. Il a fait l'appel d'un certain monsieur et puis il disait à ce monsieur, monsieur, je vois tu as 6000 démons. 4. 450. Tu as 450 démons. Va. Wow. Tous les démons sont sortis. C'est quoi ça? Et puis le monsieur, il était tranquille. Quand tu vois le monsieur, mais il n'avait même pas un démon. Il était normal. Il y raisonnait, il parlait. Il était venu glorifier l'éternel Dieu. Peut-être il était venu chercher d'autres choses. Mais avec des prophéties négatives, des paroles mensongères, tu dis que non, tu as 450 démons. Tu as toi, tu puisses avoir 450 démons dans ta vie et tu restes tranquille. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les gens est égal à 6000 démons. C'est-à-dire, Jésus parlait avec leur commandant, leur colonel, colonel de brigade. Alléluia. Amen. Commandant de brigade, si c'est dit, général plutôt. Général de brigade. Et derrière lui, il y avait des commandos. Des commandos, des commandants. C'est-à-dire des officiers. Il y avait des colonels, des majors, des capitaines, des lieutenants, des sous-lieutenants, des adjudants, adjudants-chefs, des sergents, sergents-majors. Alléluia. Il y avait aussi des lieutenants-colonels derrière ce général de division. Alléluia. Et maintenant, dans ta vie, tu te promets avec... Promets-toi seulement avec deux militaires. Fasse route avec, ensemble avec deux militaires de Kinshasa. Si tu ne prendras pas fuite. Seulement avec deux policiers de la police d'intervention rapide. Dans la nuit, que vous êtes, vous toi seulement, tu prendras fuite. Tu chercheras un endroit pour aller t'exiler. Mais tu te promets avec 6000 démons. 6000 combattants. Alléluia. Les gens est égal à 6000 soldats dans un légion. Les gens est une unité de combattants fortes de 6000 fantassins ou encore de la police d'intervention rapide. Alléluia. Parmi eux, il y a commandant, leur général, chef d'état-major. Il y a des commandants de bataillon. Il y a des commandants de compagnie, de peloton. Alléluia. Des sections. 6000. Alléluia. Amen. Et dans chaque bataillon, il y a 1000 soldats, bataillons organiques.
Donc dans une légion, 6 bataillons. 6000 soldats, 6000 démons qui étaient à l'intérieur de cet homme. Il ne pouvait jamais rester tranquille. Non. Et il ne pouvait jamais avoir la connaissance en lui. Non. Bien aimé. Qu'on puisse identifier seulement des démons dans ta vie. Tu es déjà troublé. Des démons dans ta vie, tu es troublé. Ne puisse que d'avoir un mari de nuit dans ta vie. Ou femme de nuit dans ta vie. Alléluia. Tu es foutu. Et maintenant, 6000 démons. Chaque démon a son service. Il y a des démons des eaux. Il y a des forêts. Tous sont là. Les dieux de Baal sont là. Les prophètes de Baal sont là. Tu te promènes avec tous ces gens-là. Tu ne resteras jamais tranquille, bien-aimé. Tu deviendras fou folle. Alléluia. Amen. Jésus dit, le messien, le démon répondit, car nous sommes plusieurs, et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alléluia. Amen. Qui suppliait Jésus, si on a bien compris? Hein? Jésus parlait avec leur chef. C'est leur général qui suppliait Jésus de ne plus envoyer ses éléments à lui hors du pays. Alléluia. Amen. Lui, il croyait que non, lui va rester. Il continuera à prendre le contrôle. Lui, il croyait cela. Alléluia. Amen. La Bible dit, et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui pesait et les démons les prièrent. Maintenant les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ce pourceau afin que nous entrions en eux. Alléluia. Amen. Le verset 13 de la Bible dit, il est leur permis et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipitèrent des pattes escarpées dans la mer. Il en avait environ 2000. Alléluia. Amen. Arrêtons un peu là. Si ton Dieu à toi, alléluia. Amen. Bien-aimé, si ton Dieu à toi est en train d'écouter et d'exorcer la prière des démons, combien de fois ta prière à toi? Combien de fois nos prières à nous? Si ton Dieu à toi est en train de résoudre les problèmes des esprits impurs, combien de fois nos problèmes à nous? Alléluia. Amen. Je n'ai rien inventé. C'est dans la parole de Dieu. Ils ont supplié Jésus. Ils ont supplié Jésus de les envoyer dans le là où se trouvait le troupeau, dans le troupeau. La Bible dit, dans le verset 13, il leur permis, Jésus les a permis. Alléluia. Amen. Et les esprits impurs sortis entrèrent, ils ont sorti dans la maison, dans le corps de cet homme, pour aller entrer dans le pourceau. Et le troupeau se précipita des pattes escarpées. Alléluia. Amen. Bien aimé. La requête des démons est entendue par Jésus. La requête des démons est entendue par Jésus. Jésus n'a jamais refusé les requêtes. Jésus a entendu les requêtes. C'est pour te faire voir que non, s'il est à l'écoute d'un esprit impur,
Combien de fois, toi, sa fille, toi, son fils à lui, en quelque sorte, je voulais te dire ceci de la part de Dieu. Dieu aussi est capable et prêt d'écouter la prière d'un pécheur, d'une pécheresse. Alléluia. Amen. Il peut résoudre leurs problèmes. Il peut écouter leurs prières et puis de les exaucer. Alléluia. Amen. Si Dieu est capable de sauver celui qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, combien de fois, bien-aimés, vous et moi, combien de fois vous et moi, si Jésus a permis que le Saint-Esprit puisse venir chez les païens avant leur conversion. Alléluia. Amen. Les païens ont reçu le Saint-Esprit avant leur baptême. C'est son administration. Jésus n'est pas difficile. Jésus n'est pas compliqué. Jésus est simple. Amen. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus a répondu, a entendu la requête des démons. Il a fait par rapport à leur demande. Ils ont demandé à Jésus, nous voulons aller là-bas. Christ les a permis. Alléluia. Amen. Christ les a permis. Mais une chose est vraie. Christ ne pouvait jamais les permettre d'aller encore dans une autre maison. Mmh. Alléluia. Amen. Il ne pouvait jamais les permettre d'aller encore troubler ces créatures. Amen. Comme ils ont choisi les troupeaux, allez-y. Amen. Mais nous devons choisir, savoir. Le pauvre diable l'avait créé. Mmh. Les troupeaux étaient créés par Jésus. Amen. C'est pour dire que c'est pour te dire que non, tu as de la valeur par rapport à un arbre, Amen. Par rapport aux animaux, tu as de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 14. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville. Et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous firent dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peut-être que c'est ton cas aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la chance, peut-être que tu as de la chance, après avoir été délivré par Jésus, Jésus dit, suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as de la chance. Après avoir été guéri, délivré par Jésus, sauvé par Jésus, Jésus te dit que non, suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme qui avait mis les démons en lui, il a supplié Jésus de rester à côté de Jésus. Jésus a refusé, a dit non. Celui qui a demandé Jésus, je peux bien rester à côté de toi. Jésus a refusé. Non, retourne-toi dans ta maison. Va leur dire ce que Christ a fait dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas donné à tout le monde d'être à côté de Jésus. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être évangéliste. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être pasteur.
apôtre, prophète ou prophétesse, ou si c'est diacre, ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu es choisi par Dieu après avoir été délivré, alléluia, amen, tu dois profiter à cela. Amen. Tu dois profiter à cela. Amen. Je dis bien, tu dois profiter à cela. Amen. Tu dois profiter à cela. Amen. Si tu ne profites pas, c'est toi qui seras perdant ou perdante. Cet homme avait 6000 démons en lui. Il a vu le miracle de Dieu dans sa vie. Il demanda à Jésus. Je ne sais pas pourquoi Jésus a refusé à cet homme. Je ne peux pas condamner ou juger Jésus. La Bible dit, il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il était moins que Pierre. Peut-être qu'il était moins que Paul. Mm. Peut-être que Paul, Pierre était le brigand que lui. Amen. Mais Jésus a demandé Pierre, a demandé Paul de le suivre. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Christ a refusé à cet homme? Il était un témoin vivant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme, ce n'est pas, peut-être pas, que c'est fait auparavant dans la vie de Paul. Alléluia. Amen. Parce que Paul, avant de devenir apôtre, il a tué. Mais la Bible n'est pas dit que non, cet homme a tué les chrétiens. Paul a tué les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais Jésus a racheté Paul. Alléluia. Amen. La différence est que Paul a tué. Cet homme était animé par les esprits impurs, 6000 démons. Il était déjà mort. Paul n'était pas mort parce qu'il ne connaissait pas la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Paul n'était pas mort. Cet homme était déjà mort, mais vivant. Il était délivré de sa maladie, de sa malédiction. Il a fallu quand même que Christ puisse le permettre de le suivre. Mais Christ a refusé. Il paie la grâce à qui? Amen. Il paie la miséricorde à qui? Amen. Il élève celui. Amen. Bien-aimé, je répète, tu as de la chance. Si tu étais déjà choisi par Jésus, ne perds pas ton temps de traîner. Cette femme qui perdait le sang, elle n'a pas peur. Elle n'a pas voulu perdre son temps. Amen. Elle a dit, il faut que je suive cet homme. Amen. Quand elle était guérie, elle avait ajouté au nombre de la foule. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très grave. Christ t'a choisi. Christ t'a délivré. Christ t'a guéri. Suis-moi, toi tu te retires. Suis-moi, tu refuses. Fais ceci. Tu refuses, tu mourras avant l'âge. Amen. Tu ne goûteras jamais. Amen. Tu ne mangeras jamais. Tu ne seras jamais tranquille dans ta vie. Et je sais moi te dire, tu ne vivras jamais longtemps. Amen. Tu ne vivras jamais longtemps. Néanmoins, cet homme, il a demandé à Jésus. Christ a refusé de le suivre. Christ a dit, va rencontrer. Raconter dans ta maison. Il a obéi. Il s'est retourné. Il a fait ce que Christ lui avait demandé. Amen. En quelque sorte, il a fait l'œuvre de Dieu quelque part. Amen. Pas seulement de devenir apôtre, pas seulement de devenir évangéliste. Il a travaillé sous l'onction de Dieu, peut-être en tant que chantre, amen, en tant qu'adorateur. Laissez-moi vous dire, je vous dirais que non, il était adorateur de Jésus. Amen. Parce que durant toute sa vie, cet homme qui avait 6000 démons, il adorait que Jésus. Amen. Il voyait que les bienfaits de Dieu, amen, il ne lui demandait rien. Amen. Si ce n'est pas l'adoration, amen, si ce n'est pas la louange. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu crois que non, tu seras spécial quand tu prêches la parole de Dieu. Tu seras moins spécial si tu adores Dieu. La Bible dit, l'heure est venue. L'heure est déjà venue. Christ est en train de chercher les vrais adorateurs. Amen. Qui l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Il n'est pas dit, l'heure est venue, que le prédicateur prêche la parole en vérité ou en esprit. Mais ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité.
vérité. Amen. Bien aimé, tu peux être un prédicateur, prédicatrice. Le problème est que tu sois d'abord adorateur ou adoratrice. Amen. Si tu prêches la parole de Dieu, tu n'es pas adorateur ou adoratrice. Laisse-moi te dire, tes prédications sont en vain. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prêcher celui que tu adores. Amen. Tu dois prêcher celui que tu loues. Amen. Si tu n'adores pas Jésus, ne prêche pas sa parole. Amen. Si tu n'adores pas Jésus, n'enseigne pas sa parole. Amen. Tu dois d'abord commencer à adorer Jésus. Amen. C'est ça que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Tu es rebelle, tu prêches la parole de Dieu, tu refuses d'adorer Jésus. Amen. Et comment expliquer? Tu dois commencer d'abord à adorer cet homme. Amen. Commence-toi d'abord à voir le bienfait de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. L'autre messieurs, tout a été déjà accompli sur la croix. Sur la croix, Christ a dit tout est accompli. Là où il y avait la malédiction, Christ a tout changé, a changé la malédiction à la bénédiction. Amen. Christ a changé la pauvreté à la richesse. Amen. Christ a changé la négativité à la positivité. Amen. Christ a changé la maladie à la guérison. Amen. Tout a été changé sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit tout est accompli, je te dirai ce soir, tout a été déjà changé dans ta vie. Amen. Là où il y avait la mort, Christ a donné la vie. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y avait 6000 démons, Christ a donné sa vie. Amen. Lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Tu es comment? Tout a été déjà accompli sur la croix. Amen. Tu voulais que Christ puisse accomplir quoi? Tu voulais que Christ puisse accomplir quoi dans ta vie? Alléluia. Amen. Il dit à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Parce que Christ sait maintenant, tout a été déjà accompli. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Choisis la bénédiction, fécondité, l'élévation, parce que sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix, il a tout accompli. Il a porté nos pardons, nos malédictions, nos maladies, nos stérilités. Toutes les choses négatives qui régnaient dans tous les domaines de nos vies, Christ a porté cela. Tout a été déjà, je dis, tout a été déjà accompli sur la croix. Amen. Ce n'est pas tout est accompli. Alléluia. Amen. Christ, il n'est pas mort là tout de suite. Il était déjà mort. Amen. Voilà pourquoi je dis, tout a été déjà accompli sur la croix. Amen. Qu'est-ce que tu cherches encore? Il te pose la question, qu'est-ce que tu voulais que je fasse dans ta vie? Parce que tout a été déjà accompli. Choisis maintenant. S'il y a 6000 démons dans ta vie, choisis. Je voulais être libre. Je cherche la liberté. Dis à ton Dieu, que veux-tu que je fasse? Il te pose la question. Ne multiplie pas tes paroles. Oh, voici ceci, je n'ai pas mangé, je manque ceci. Non. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Sois précis devant ton Dieu. Amen. Il écoutera ta prière. Christ a dit aux esprits impurs, sors de cet homme. Il a supplié Jésus, s'il te plaît, je sais que tu es puissant. Ne nous rejette pas hors du pays. Envoie-nous là-bas. Nous voulons aller là-bas. Christ a écouté et puis allez. Vous pouvez aller. Et combien de fois vous et moi? Amen. Alléluia. Amen. Ses oreilles n'est pas dues pour entendre nos prières. Sa main n'est pas courte pour nous toucher. Amen. Il est prêt pour écouter et exaucer nos prières. Amen. Il est prêt pour nous toucher et de faire tout ce qu'il veut dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Tout
possible à celui qui croit. Il avait changé l'eau en vin. Alléluia. Amen. L'eau a été déjà changée en vin. Amen. L'eau a été déjà changée en vin. Avant que tu sois né, Christ a déjà fait quelque chose de bon dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Christ a un plan merveilleux pour nous. Amen. C'est à nous maintenant d'en profiter. Alléluia. Amen. Il nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction. Profitons à cela, bien-aimé. Laissez-moi te dire, là où cet homme était, alléluia. Amen. Il a dit, non, les démons disent, nous sommes fatigués de cet homme. On nous prive la nourriture. Il n'y a rien à manger. Bien-aimé, comment tu peux priver les démons, mari de nuit, femme de nuit, qui règne dans ta vie? Comment tu peux les priver? Comment tu peux priver mari de nuit, femme de nuit dans ta vie? Alléluia. Si tu n'es pas quelqu'un qui gêne, comment ils seront privés de la nourriture? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie, si tu n'es pas quelqu'un qui lit la parole de Dieu, comment tu le priveras? Tu dois être une femme forte, un homme fort. Amen. De méditer, de prier, de jeûner. Amen. Les démons prendront fuite. Amen. Ils diront que nous sommes fatigués de cette maison. Amen. Il n'y a pas la nourriture. Amen. Hey, toi, tu sais ce qu'on vend là-bas dans le marché? Que Dieu t'ouvre ces yeux-là afin de voir et de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Tu cours vite pour acheter la viande. Tu sais ce que tu viens d'acheter? Si c'est quoi? Alléluia. Amen. Les démons dans ta vie sont contents. Toi, tu crois que non, tu viens d'acheter la viande. Si c'est le cochon. Ok, mon sounia moutou. Alléluia. Nalobano vérité. Nalobano vérité. Que je te dise la vérité. Amen. Toi, tu crois que c'est la viande. Oh, j'ai acheté un cheval. Non, mon sounia moutou. Ça sortait d'où? Dans votre toilette. Alléluia. Toi, tu crois que tu es en train de nourrir ton corps. Là où les démons, les 6000 démons assiégés, ils disent que waouh, nous sommes satisfaits. Ils nous appellent nourrir. Ça, c'est notre nourriture à nous. Alléluia. Tu dois torturer ton corps. Tu dois crucifier ton corps. C'est la prière qui changera ta vie. Tu as besoin de l'onction. Ce n'est pas mangeant. Okoliam linzaka mutu. Amen. Alléluia. Amen. Okoliam linzaka mutu. Bilialia, madia, madia. Kaluti. Tu ne veux pas rater. Si quelqu'un mange son truc, tu n'arrives pas comment prier, comment jeûner. Golgogne, fanfaron, la pauvreté te surprendra. Amen. Les démons seront contents. Ils resteront toute la journée. Tu te diras toute ta vie dans ton corps. Ils ne sortiront jamais. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Il faut que tu lis la parole de Dieu. Amen. C'est là que, bien aimé, tu tortiras les démons. Amen. Marie de nuit prendra fuite. Femme de nuit prendra fuite. Les gens prendront fuite. Alléluia. Amen. Tout le monde fuyait cet homme. Qui peut lui donner la nourriture avec la force qu'il avait? Il pouvait bien le tuer, les exterminer. Tout le monde prendra fuite. Dans le cimetière, vous pouvez manger quoi? Il ne partait pas loin. Peut-être dans vos cimetières de Kinshasa, vous trouverez du temps. Vous trouverez à cimetière de Kitambo Kintsuka. Un médecin que vous trouverez, Mboumali Boto, Litonge, vous trouverez là. La mangue même. Ici en Europe, où vous trouverez la mangue dans le cimetière? Leur cimetière est bien entretenu. Pavé, où tu trouveras la mangue, où tu trouveras l'orange. Mais à Kinshasa, à Mbetse,
avec métropole, c'est métropole, vous trouverez l'orage. Toi, tu es parti enterrer ton ami, ton frère, tu cours derrière les arbres pour chercher la mangue. Tu mangeras une personne qui était déjà décédée. Alléluia. Amen. Ah. Tu retourneras dans votre maison, Nikila, aux yeux du cimetière. Madia, Madia. Toi, père en Christ, sœur en Christ, tu ne fais pas jeûner, tu ne fais pas prier, tu ne fais pas méditer la parole de Dieu. Comment tu tortiras les démons? Comment ils prendront fuite? Ils étaient fatigués, nous sommes fatigués de cette maison. Amen. Il n'y a pas la provision. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la provision. Amen. À un moment, il faut que ton corps puisse manquer quelque chose. Quand les gens te voient, on te voit comme si tu es pâle. Ok, rien, tu n'es pas pâle. Pour torturer le corps étranger qui veut régner dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. La maladie sortira. Amen. Stérilité sortira. Amen. Pauvreté sortira. Amen. Chômage sortira. Amen. Ils prendront fuite eux-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Comme ils sont des aveugles, ils vont chercher de ton Dieu à toi. Amen. S'il te plaît, faites-nous sortir de cette maison. On ne sait pas là où on a entré. On ne sait même pas, on ne voit pas la porte d'entrée et la porte de sortie. Satan, démon, il est aveugle. Amen. Alléluia. Amen. Continue à manger. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, faut que tu puisses venir rencontrer Jésus. Amen. Il est le maître du temps. Amen. Si longue soit la nuit, le jour viendra. Amen. Alléluia. Amen. Si longue soit la nuit, le jour viendra. Même si que la situation persiste, bien-aimé, ne te fatigue pas. Amen. Ne te fatigue pas. Amen. Même si que la foule est là, ne te fatigue pas. Amen. Même si les pharisiens sont là, ne te fatigue pas. Amen. Même si les égyptiens sont là, ne te fatigue pas. Amen. Viens chercher ta délivrance. Amen. Viens chercher ta liberté. Amen. Ne te fatigue pas. Amen. Même si que les obstacles se présentent là, Amen. Ne te fatigue pas. Ah, laissez-moi te dire, cette femme qui était courbée pendant 18 ans, Amen. Oh waouh! Le scribe était là, la foule était là. La femme a dit, si j'arrive à l'église, pas pour voir le pharisien, le scribe, mais si j'arrive là, pour voir la vérité, Amen. Qu'il neige ou pas, Amen. Je serai là. Amen. L'hiver ou pas, je me présenterai là. Amen. Que Jésus vienne ou pas, je suis là. Amen. Il me trouvera là, Amen. Dans sa maison, Amen. Dans sa maison, Amen. Dans ma position courbée. Amen. Viens, bien-aimé, qu'on te tutoie, qu'on dise n'importe quoi pour toi, viens. Amen. Cherche Jésus. Amen. Pas d'autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Je suis merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Luc 13, 10 à 17. Quand le jour, le moment est venu, quand le maître du temps est entré dans son temple, Jésus a regardé dans son église, il a vu que non, il y a la foule, il y a des scribes, il y a des pharisiens, il y a des gens de mauvaise foi, il y a encore des pharisiens, des égyptiens, des babyloniens, ils étaient tous là. Amen. Les serpents étaient là. Amen. Jésus a prêché, mais a vu de loin. Waouh! Il a vu une femme. Jésus a déjà identifié que cette femme était la fille d'Abraham. Amen. Il faut que je fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je fasse quelque chose. Jésus dit, il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. Amen.
Jésus a vu de loin. Il y a une femme parmi vous. Elle est aussi fille d'Abraham. Or que dans la salle, croyant que tout ça était des disciples de Jésus, or que les Égyptiens, les Philistins, les Babyloniens, les chiens, les serpents, les corbeaux, les tortues, étaient tous là. Amen. Mais il y avait seulement une personne qui était venue voir Jésus. Amen. Il y avait seulement une personne. Avant de quitter sa maison, elle a dit que non, moi, j'aille là-bas pour raconter Jésus. Amen. Jésus, quand a fermé sa Bible, il a dit, femme, viens, je t'ai vu de loin. Comme cet homme est possédé des démons, de loin a vu Jésus. Il a couru. Jésus a vu cette femme. A approché cette femme. Fille d'Abraham, viens. Tu étais courbé. Tu dois te redresser maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Redresse-toi. Amen. Même si tu es un obstacle, Amen. Jésus ne voit pas les obstacles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme a été redressée. Amen. La foule. Oh, ont chauffé, se fâcher. Comment toi tu as fait cela? Ils voulaient tabasser Jésus. Le jour de sabbat, tu ne peux rien faire. Jésus ne savait pas que non, le maître du sabbat est là. J'ai le droit de le faire parce qu'elle est la fille d'Abraham. Amen. Est-ce que toi le sabbat tu ne travailles pas? Est-ce que dans ta maison tu manges, tu viens à l'église? Nous allons jeûner. Alléluia. Nous allons jeûner. Et puis tu donnes le programme. Dès de retour dans ta maison, tu commences à manger, à manger, à aller à l'église. C'était bien passé, hein? Oui. Entre-temps, toi, tu manges. Alléluia. Entre-temps, toi, tu manges. Tu mangeras la chair d'une personne. Un jour. Voilà pourquoi le roi David, au lieu d'aller au champ de bataille, il a envoyé son peuple au champ de bataille. Lui, il a resté. Au lieu de prier l'Éternel Dieu pour son troupe, il se promenait pour rien. Il est parti se croiser avec le Bathsheba. Alléluia. Tu mangeras la chair d'une personne. On va tuer ton fils, ta fille, et on t'amènera la chair de ta fille. Parce que tu n'as pas la révélation. C'est le moment de prier. Le moment d'écouter la parole, le moment de méditer, c'est le moment de faire les choses de Dieu. Amen. Toi, tu cherches la nourriture. Écoute, toi, tu es comment? Dans la nuit, tu te réveilles à 2h du matin pour chercher la nourriture. Ta femme est déjà dormie. Tout le monde est déjà dormi. Toi, tu cherches la nourriture à cette heure-là. C'est le moment de méditer la parole de Dieu. Amen. Si quelque chose manque dans ta ventre, dans ton ventre là, Dieu te fait réveiller. Ce n'est pas pour aller chercher de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne une révélation. Amen. Souvent, vous le faites. On te fait réveiller dans la nuit, vers 2h, 3h. Tu n'as pas brossé. Tu cours là. Alléluia. Amen. Hé! Quelle eau que tu es en train de boire. Amen. Même si tu es dans ta maison, si Dieu te fait réveiller dans la nuit, cherche-toi la volonté de Dieu. Amen. Peut-être il t'a fait réveiller pour chercher sa face, Amen. Pour prier le plus que 10 minutes, Amen. Pour méditer sa parole le plus que pendant 10 minutes. Amen. Toi, tu cours, j'ai mal, la toilette. Alléluia. Amen. Bah, il y a du si ton ventre bouge, donc il faut que tu ailles directement dans votre toilette. Alléluia. Amen. Ah. Qui c'est ça piqué connaît la paix. Vous le faites ainsi. Ce n'est pas du tout bien. Amen. Tu dois d'abord réfléchir, chercher la pensée de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu m'a fait réveiller? Amen. Pourquoi mon ventre a fait cela? Amen. Pourquoi il y a des bruits dans mon ventre? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont enfanté comme ça. Juste son ventre a bougé, il court dans la toilette, il fait le bébé. Alléluia. Mon nez.
ça la révélation. Il faut savoir pourquoi ton ventre appelle comme ça. Cherche la volonté de Dieu. Ce n'est pas de courir, de boire, de chercher à manger, de courir dans votre toilette. Alléluia. Non. Si tu comprends, bien aimé, tu seras, je ne sais pas si c'est quoi, si c'est comment. Alléluia. Amen. Je passe. Dieu a guéri cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Parce qu'elle venait à l'église pour chercher la face de Dieu. Amen. La Bible dit, cette femme, Christ a déclaré, elle était la fille d'Abraham. Si tu cherches la vérité, tu trouveras la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Joseph fut sorti dans la prison pour la liberté et d'être élevé. Alléluia. Amen. Femme appartenant, on l'avait pu sortir dans la prison pour la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Que ça a fait la paix de cette femme qui était couvée pendant 18 ans pour recevoir la guérison. Amen. Celui qui passait la nuit dans le sépulcre, il a sorti dans la prison pour la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait sortir Abraham dans la maison de son père pour sa liberté et puis pour l'élévation en tant que père de toutes les nations. Amen. Alléluia. Amen. Daniel put sortir au poste de lion pour la liberté ainsi que l'élévation. Amen. Si tu es dans la prison, sache-le que non, tu sortiras dans la prison. Amen. Pour la liberté. Amen. Ainsi que pour le changement. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Tu ne resteras jamais la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Les trois compagnons de Daniel, Jésus les a fait sortir dans la fournaise pour la liberté ainsi que pour l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. Aman a cherché par tous les moyens la vie de Mardoché. Or que Mardoché craignait Dieu. Dieu a vu la crainte qui était dans son serviteur Mardoché. Dieu a sauvé Mardoché. Dieu a échappé, a fait échapper Mardoché dans les pièces de Aman pour son élévation devant le roi. Dès que tu sautes les pièges du pauvre diable, c'est l'élévation qui t'attend. Amen. C'est le changement qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris. Il a fallu que Esther puisse rester toute seule. Il a fallu que Esther puisse perdre son père ainsi que sa mère. Il a fallu que la Bible puisse déclarer à cette femme Esther, orpheline de père ainsi que de la mère, afin qu'il soit élevé par son neveu, par son oncle, Mardoché, afin d'avoir le mariage auprès des rois. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne calcules pas Jésus, si tu vois que tes parents biologiques, laisse-moi te dire, tu n'auras jamais un bon mariage. Tu ne te marieras jamais avec Jésus. Amen. La Bible dit, tu dois effacer tes parents biologiques. Amen. Mais Jésus en première position. Amen. Oublie ta famille. Amen. Mais Jésus en première position. Amen. Là, tu seras élevé. Amen. Il y aura un grand changement. Amen. Je n'ai pas dit d'abandonner vos parents biologiques. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit d'aller abandonner vos parents biologiques. Amen. Je souligne. Occupe-toi de tes parents. Amen. Honore tes parents. Amen. Honore ta famille. Amen. Tu n'as rien à donner à Jésus. Le problème est que mets Jésus en première position. Amen. Ne place pas tes parents en première position à la place de Dieu. Amen. Ils vont rester derrière Jésus. Amen. Mais tu les calcules. Amen. Tu comptes aller en tant que tes parents. Amen. Mais Jésus puisse vous conduire, toi, ainsi que tes parents, ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
Je n'ai pas dit d'aller tuer tes parents pour que tu sois élevé, d'aller te marier avec le roi. Tu vas commettre l'erreur grave. Ce n'est pas ça l'évangile. Amen. Ce n'est pas ça ma prédication. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait pourquoi Esther est restée orpheline. Dieu savait pourquoi Esther était élevée chez son frère Mardoché. Dieu savait pourquoi a mis Esther à côté de Mardoché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu peux être orphelin, orpheline, mais si tu n'es pas élevé par une personne qui a un bon cœur, tu vas souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois à côté d'une personne qui a un bon cœur, qui a aussi le sens de parents, qui a l'esprit de te prendre en considération. Amen. Tu seras élevé. Amen. Alléluia. Amen. Et tu épouseras un homme selon le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair. La Bible dit, Jacob sauvé par Dieu afin de devenir Israël. Alléluia. Amen. Il a échappé la mort auprès de son frère. Son frère lui cherchait pour lui ôter la vie. Là où il était parti chez son oncle qui était devenu son beau-père, en fuyant là-bas, là-bas poursuivait encore Jacob. Il a fallu que Dieu puisse intervenir. Amen. Afin de changer le nom de Jacob à celui d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir sauvé Jacob, après avoir épargné Jacob dans tous les dangers, la vérité s'est racontée avec Jacob. Amen. Jacob a dit, waouh, il faut que tout change maintenant. Amen. Bien, mais tu dois décider. Amen. Il faut que tout change dans ta vie. Amen. Jacob n'a jamais laissé Dieu. Il a saisi son Dieu. Amen. Jusqu'à ce que tu changeras mon nom. Amen. Jusqu'à ce que quelque chose passera dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Il était sauvé par Dieu afin de devenir Israël. Amen. Père de 12 tribus. Alléluia. Amen. Wow. Devant lion et l'ours afin de devenir roi. Alléluia. Amen. Attention, 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 attention. Tu n'arrives pas à supporter les difficultés dans ta vie. Cette situation qui persiste dans ta vie, c'est un lion. C'est une ours. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois les dévorer. Amen. La situation négative ne peut jamais te dévorer. Amen. Si Christ est à moi, qui me dévorera? Amen. Écoute, 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 écoute. Une révélation. Il faut que tout change dans ta vie. Amen. La Bible dit, David était gardien des troupeaux de son père. Amen. Il n'était pas gardien des troupeaux de Dieu. Amen. Il n'était pas berger de Dieu. Amen. Berger de son père. Amen. Il travaillait pour son père. Amen. Mais l'ours et lion se présenta devant David. Puis que le ciel de l'Éternel était sur cet homme-là, David, Dieu ne pouvait jamais laisser David à cette position. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était la sorcellerie de son père ou de sa tante, on ne sait pas. Mais Dieu a dit, il faut que je puisse intervenir. Amen. J'ai un plan pour cet homme. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si que toi qui m'écoutes, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Dieu de l'Éternel est sur toi. Amen. Le plan de Dieu est sur toi. Amen. Tu sauves, tu es sauvé. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Tu as raté la mort. C'est parce que le Dieu de Dieu est sur toi. Amen. Tu dis que non, ma vie est en danger, mais aujourd'hui là, il y a quelque chose qui est passé. Amen. C'est parce que Dieu te calcule. Amen. C'est parce que Dieu te calcule. Amen. Bien, mais devant lion, devant ours, tu ne peux pas résister. Amen. Devant l'accident, 19 ton nom, tu ne peux pas vivre. Laisse-moi te dire. Devant si c'est quoi, je ne sais pas. Tu étais noyé dans une rivière, dans un lac. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas vivre. Mais on te trouve en vie. Amen.
dans le ventre de poisson, tu es encore en vie. Parce que le plan de Dieu sur toi, les yeux de Dieu te voient. Alléluia. C'était ça le cas de David. Il était le berger de son père. Il travaillait pour rien gagner. Mais l'ours, lion et l'ours étaient envoûtés. Je ne sais pas si ça sortait d'où, à l'est, l'ouest, ou je ne sais pas. Ça venait de leur oncle paternel pour dévorer David. Dieu a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Avant que je puisse fonder le monde, cet homme-là était déjà fondé, créé. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais né, formé avant que Dieu puisse fonder le monde. Amen. Il ne peut jamais te laisser dans cette position que tu sois dévoré par le lion. Amen. Ou l'ours. Amen. Voilà pourquoi Dieu a sauvé Moïse. Amen. Plutôt David. Amen. Dieu a dit, ce n'est pas fini. J'étais sauvé pour qu'un certain Samuel puisse venir te oindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas quelle est cette situation qui te tourmente. Quelle est cette situation qui a fait que non, aujourd'hui tu es devenu triste. Tu manques de courage. Amen. Quelle est cette situation qui a fait que non, tu commences à parler, tu es devenu monologue. Alléluia. Toi-même, tu es tout seul, toute seule. Les gens vont dire que non, tu parles avec les démons. Ok, trop de problèmes. Alléluia. Amen. Tous ces problèmes-là ne te feront absolument rien. Amen. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Dès que tu sauteras ces problèmes, il y aura maintenant Samuel qui viendra te oindre. Alléluia. Amen. Même si tu es dans votre maison, les frères de David sont là contre toi, laisse-moi te dire, tu t'en fous d'eux. Amen. Tu les sauveras un jour devant Goliath. Amen. Alléluia. Amen. David était sauvé devant lion et l'ours pour que Samuel puisse le oindre. Dieu a envoyé David, Samuel, pour oindre David, pour faire voir à Saül que moi je te remplacerai. Amen. Parce que tu es un beau serviteur de Amen. Dieu. Amen. Tu es tout cher. Amen. Tu es tout cher. Amen. Je te remplacerai. Amen. Hey. Amen. Hey. Hey. Tu es faux président. Tu fous rien, tu es Saül, il y aura un David qui te remplacera. Amen. Voilà pourquoi je crache la vérité. Amen. Tu es en train de chercher un David Amen. Pour prendre le trône de la RDC. Amen. Qui est ce David qui est prêt Amen. De prendre le trône de la RDC? Amen. Qui est ce David Amen. Qui est ce David Amen. Qui est ce David Amen. Qui est ce David, Amen. Il y a la désobéissance Amen. Auprès de Saül. Auprès de Saül. Dieu cherche un David qui prendra le trône de la RDC. Amen. Qui gouvernera l'Afrique. Amen. Qui? 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 Hey. Hey. Tu es prêt? Tu es prête? Tu voulais que tout change dans ta vie? Pourquoi Dieu t'a oigné? Pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu as accepté de s'humilier devant le prophète Samuel après de prendre l'huile de Dieu? Tu étais prêt pour devenir roi, président, ministre afin de lever le nom de Dieu? Amen. Où est ce prophète qui élèvera le nom de l'Éternel? Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tout change en RDC. Amen. Dieu veut que tout change en Afrique. Amen. Ce n'est que la vérité, qu'il neige ou pas. Dieu est en train de chercher un vrai David. Amen. Celui qui dira que non, advienne que pourra. Amen. Que les Américains disent ou pas, que les Européens disent ou pas, je mettrai mes pattes. Ils ne me paieront absolument rien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de chercher si c'est Jonas, si c'est Saül. Quand il a vu les Américains en train de parler, il donne toutes les richesses. Non, Dieu a besoin d'un David qui protégera son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce David? Quel est ce David? Attention, bien-aimé. Toi, Saül, Dieu a élevé David pour te sauver devant Goliath. Amen. Dieu sait très bien que non, en toi, il y a la paix.
À toi, il y a 6000 démons. À toi, il y a légion. Voilà pourquoi j'ai envoyé David auprès de toi. Voilà maintenant, tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Saül, roi fou. J'ai élevé David. J'ai oigné David pour te sauver à tes maladies négatives. Amen. Et devant Goliath. Amen. Pourquoi tu cherches la vie de David? Tu ne le réussiras pas. Amen. Tu ne le réussiras pas. Amen. J'ai déjà changé la vie de David. Amen. Tout a été déjà accompli sur la croix. Amen. Pour David. Amen. Tout a été déjà accompli sur la croix. Amen. Pour David. Amen. Tu ne réussiras jamais David. Amen. Tu ne réussiras jamais David. Amen. Laissez David faire son Amen. Travail. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu cherche. Même si que tu travailles dans le boîte de nuit, même si que tu travailles pour un magicien, afin de chercher de quoi à manger, de chercher l'argent pour te faire nourrir ta famille, Dieu voit. Mais le problème est que n'adore pas son Dieu à lui, n'adore pas leur Dieu à lui. La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. Mais Dieu cherche cela de David là. Il travaille pour son père. Il ne triche pas, mais dans sa bouche, l'Éternel dit, si tu me sauves, un jour, si tu me fais sortir dans l'entreprise de mon père, ça sera encore mieux. Mais tu travailles pour un démon, tu travailles pour un magicien, une magicienne, tu travailles si c'est dans une entreprise d'un sorcier, toi tu ne connaissais pas où tu as la révélation. Mais quelle est ta demande auprès de Dieu? Dieu a entendu la prière des démons. Envoie-nous là-bas, bien-aimé. Là où tu es, même si que tu as trouvé du boulot dans un endroit, si c'est à l'hôtel, ne t'inquiète, bien-aimé. Vas-y. Je te dis, vas-y. Je te dis, vas-y. C'est là que tu gagneras des âmes. Amen. Tu as ta mission à toi. La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. Le monde est dirigé sous la puissance du diable. Amen. Je n'ai pas dit d'aller travailler en terre pour devenir prostituée. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux devenir si c'est femme de chambre. Tu ne peux pas refuser. Alléluia. Amen. Mais là, tu travailles bien aimé. Quand tu fais tes lits là, Zambé, mon salon est en mode Zambé. Nazoluka pour la paix à dîme, pour la paix à confrère, Seigneur. Naïbate, Seigneur, Sunganga, Batubakani, Sosan, Goumame, Melinzam, Bakouto, Tosoko, Pio, Goumpaya, priera pour la bambe, tu vois la paix. Seigneur, sauve-moi. Je ne vais plus rester ici là pendant si longtemps, Père. Oh, Nazoluka pour la paix à dîme, Nanga, Nazala, Nasunga Libota. Seigneur, nous quelle maïsika y a bien. Alléluia. Amen. Demain, tu deviendras responsable de l'entreprise. Amen. Demain, Dieu t'enverra devant une personne qui craint aussi Dieu. Amen. Il a son entreprise. Amen. Et tu ne comprendras pas. Le propriétaire de cette terre, il te nommera tant que directeur général. Amen. Et à ce moment-là, vous commencerez maintenant à élever le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas dit d'aller vendre la boisson. Mm. Il y a d'autres services à refuser pour les enfants de Dieu. Amen. Je ne vous encourage pas. Amen. Je n'ai pas dit d'aller vendre des Valium. Alléluia. Amen. Non. Si tu trouves du travail comme femme de chambre, si tu trouves du boulot comme un chauffeur, d'un chef qui travaille à hôtel, va. Mais il ne faut plus aller travailler dans les bars pour vendre la boisson. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, David devant Saül, devant Goliath. On l'a fait sortir dans l'entreprise de son père. Là où il gagnait absolument rien. Mais pourquoi Dieu a accepté qu'il puisse rester là-bas? Dieu compte sur toi. Il te laisse aussi de travailler là où
qu'on ne te paye pas. Il était impayé pendant combien de mois, des années? Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a fait sortir dans cet endroit afin de devenir tuer qui? Goliath. Dieu a changé totalement tous les domaines de la vie de cet homme David. Dieu a rempli David de la force afin de tuer Goliath. Jusqu'à ce niveau que Dieu a livré Saül entre la main de David. Alléluia. Amen. À l'extérieur de toi, tu peux être faible. Mais à l'intérieur de toi, Dieu sait que non, tu es fort, forte. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de David, de cet homme Abraham et Sarah. Alléluia. Amen. On peut lire pour terminer dans Luc chapitre 5. Luc 5, verset 12 à 16. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs malades. Et lui, il s'est retiré dans le désert et prié. Alléluia. Amen. Et prié. Oui, et prié. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y avait un homme qui était malade. Il était couvert de lèpre. Et quand cet homme a vu Jésus, il tomba sur la face de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le dimanche, Dieu nous a parlé. La femme qui perdait le sang, c'était bien elle qui a couru derrière Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme dans le sépulcre, c'était bien lui qui sortait dans le sépulcre en courant vers Jésus-Christ. Amen. La femme courbée, c'était bien elle qui venait chercher Jésus-Christ, la vérité dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme avec sa lèpre, c'est bien lui qui tomba sur la face de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il supplia Jésus. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pire. Amen. Si tu veux, tu peux me rendre pire. Amen. Jésus dit à cet homme, 38 ans, avant que Jésus se présente devant cet homme était là dans la piscine. Jésus a trouvé cet homme dans la piscine. Alléluia. Amen. Comprenons très bien. Et puis Jésus lui posa la question, veux-tu que je te fasse? Cet homme courut derrière Jésus. Il a adoré Jésus. Et il a dit à son Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Amen. Si tu le veux, tu peux me rendre pire. Amen. Jésus peut accepter, peut aussi refuser. Amen. Mais la réponse de Jésus était simple. Jésus, la Bible dit, si tu veux, tu peux me rendre pire. Amen. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pire. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ta souffrance? Quelle est ta maladie? Tu dois sortir là où tu es. Amen. Tu dois sortir dans le sépulcre. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Cet homme passait la nuit dans le sépulcre. Amen. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il a saisi combien de tombeaux.
Alléluia. Combien de tombeaux est devenu sa demeure? Il peut passer la nuit ici là, mardi ici, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il passait la nuit partout. Mais quand ils ont vu Jésus, les démons ont couru devant Jésus. Démons prosternés devant Jésus. Tu te prosternes devant qui? À qui tu demandes aide? À qui tu demandes quelque chose? À qui tu exposes tes problèmes? Alléluia. Amen. Jésus ne peut jamais refuser ta demande. Amen. Il ne peut jamais refuser nos demandes. Amen. Il est prêt de nous répondre. Amen. Il est prêt de nous répondre. Amen. Mais le problème est que, bien-aimé, laissez-moi vous dire, ce n'est que la vérité. Si tu ne sors pas là où tu es, tu ne peux rien recevoir. Amen. Je suis clair dans mon message. Amen. Jésus a dit, après avoir purifié cet homme, va offrir quelque chose, selon ainsi dit Moïse. Alléluia. Ce que Moïse vous a prescrit, ce que Moïse vous a dit, selon la loi de Moïse et non selon la loi de Dieu, de donner quelque chose. Jésus l'a envoyé pour offrir quelque chose au sacrificateur selon l'ainsi dit Moïse et non selon l'ainsi dit Jésus. Alléluia. Ce que Jésus te demande aujourd'hui, c'est que nous pouvons remplacer à la place de Moïse. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jésus a besoin que tu puisses sacrifier ton corps. Amen. Jésus a besoin que tu quittes là où tu es. Amen. Tu offres ton corps à lui tout entier. Amen. Si tu refuses de quitter là où tu es, tu ne recevras absolument rien. Amen. Je suis clair dans mon message. Amen. La fin dernière, je vous ai dit, nous avons commencé les titres bibliques. Si tu rates, tu rates. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui... Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu rates, tu rates. Tu dois quitter là où tu es. Amen. De venir te prosterner devant Jésus. Amen. De demander l'aide à Jésus. Amen. Si tu le veux, tu peux me rendre pire. Amen. Envoie-moi là-bas. Alléluia. Amen. Je te dis ce soir, bien-aimé, les démons qui te tourmentent, eux-mêmes demandent à Jésus de te libérer. Amen. Ils sont déjà embrouillé. Amen. Il dit à Jésus, nous voulons laisser ta fille, ton fils tranquille. Amen. Envoie-nous là-bas. Bien aimé, je ne mâche pas les mots. Les démons qui te tourmentent, la maladie qui te tourmente, aujourd'hui sont tourmentés. Amen. Il dit à ton Jésus, Amen, nous sommes fatigués de cette maison. Amen. Nous voulons laisser ton fils, ta fille, ton fils tranquille. Amen. Fais-tu nous sortir de cette Amen. Maison. Amen. C'est à toi maintenant, bien aimé. Et prendre la décision. Amen. La maladie est fatiguée. Amen. Les démons sont fatigués. Amen. La négativité est fatiguée. Amen. L'échec est fatigué. Amen. La malédiction est fatiguée. Amen. La pauvreté est fatiguée. Amen. La stérilité est fatiguée. Amen. Et ils veulent sortir de ce corps. Amen. Peut-être que tu gardes. J'ai regardé un peu le message que la sœur Rose nous a prêché le mois coulé, dans Jérémie 33:3. La sœur a dit, tu ne veux plus donner ton corps tout entier à Jésus. Seigneur, tu n'es que mon sauveur. Touche seulement cette partie. Cette partie ne touche pas. Alléluia. Amen. Cette partie ne touche pas. Amen. Seigneur, je ne veux plus que tu puisses me parler de mon copain, de ma copine. Si tu essaies seulement de me parler de mon copain, tu me verras. Tu dis à ton Dieu, tu me verras, toi. Alléluia. Amen. Tu dis à ton Dieu, tu me verras. Tu vas me sentir parce que Jésus te corrige pour tes copains, pour tes copines. Pour tes macangou, j'aime beaucoup dire macangou.
Alléluia. Amen. J'aime beaucoup dire Makambu. Tu t'enflammes contre ton Dieu à toi parce qu'il te reproche. Tu refuses de faire sortir les démons, la maladie, l'impudicité, l'adulté qui règne à toi. Et même déclare, nous voulons sortir. Il ne voit pas la porte de sortir. Il demande à ton Dieu. Voilà pourquoi cet esprit demande à ton Dieu de le faire sortir dans ton corps. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi. Amen, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu dois prendre la décision. Amen. Les démons sont fatigués de ton corps. La maladie est fatiguée de ton corps. L'échec est fatigué de ton corps. La sorcellerie est fatiguée de ton corps. La magie est fatiguée de ton corps. La stérilité est fatiguée de ton corps. Il demande à ton Dieu, nous ne trouvons pas la nourriture dans cette maison. Faites-nous sortir. Nous voulons aller là-bas, chez les troupeaux, pour manger leur nourriture. Alléluia. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Si tu caresses les choses négatives dans ta vie, bien-aimé, c'est ton problème. Aujourd'hui encore, si tu rates, tu rates. Si tu rates, tu rates. Moi, je passe avec mon Jésus. Moi, je passe avec mon Jésus. Je passe avec mon Jésus. Mon Dieu te prêche aujourd'hui. Ce soir, il passe. Je passe avec mon Jésus. Nous ne revenons jamais ici là pour vous prêcher le même message. On est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Esprit de sensible, esprit de sensible. Oh, esprit de sensible, alléluia, esprit de sensible. Oh, esprit de sensible, alléluia, esprit de sensible. Alléluia, comme les jours de Pentecôte, esprit de sensible. Alléluia, comme les jours de Pentecôte, esprit de sensible. Oh, esprit agit en moi, alléluia. Esprit agit en moi, oh, esprit agit en moi, alléluia, esprit agit en moi, alléluia, comme les jours de Pentecôte, esprit agit en moi, alléluia, comme les jours de Pentecôte, esprit agit en moi, oh, esprit de sensible, alléluia, esprit de sensible, oh. Alléluia, esprit de sensible. Alléluia, esprit de sensible. Esprit de sensible. Alléluia, esprit de sensible. Oh, mon limo quitte la main. Alléluia, mon limo quitte la main. Oh, mon limo quitte la main. Alléluia, mon limo quitte la main. Alléluia, mon limo. Mon limo quitte la main. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Commence-toi à te prosterner dans ton cœur devant Jésus. Imite ton cœur devant Jésus. Tu peux être debout, mais il y a un problème.
Que ton cœur puisse s'humilier devant Jésus. Que ton âme puisse s'humilier devant Jésus. Efface ta personnalité. Efface ta personnalité. Efface ta façon de voir les choses. Vois Jésus à une autre dimension. Si tu es concentré, bien-aimé, je te dis une chose ce soir. La situation ou les situations négatives qui règnent dans ta vie commenceront maintenant à dire à ton Jésus, à toi, nous voulons sortir de cette maison, de ce corps. Nous sommes fatigués de ce corps parce qu'il n'y a pas la nourriture. Ils diront à ton Jésus que nous sommes étouffés parce qu'il loue que toi. Il adore que toi. Sois concentré. Humile-toi devant Jésus. Que ton esprit puisse connecter à celui de Jésus. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Mettez-vous debout. Je n'ai pas dit de vous agenouiller. En te mettant debout, que tu peux recevoir quelque chose. Prends une bonne position devant Jésus. Commence à souffler maintenant. Il y a un vent nouveau dans cette salle. Il y a un vent nouveau. Seigneur, souffle-toi. Touche-le à travers ton souffle. Que l'esprit de les gens quitte tes enfants. Que l'esprit qui règne, qui gouverne tes enfants puisse quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un vent nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons nos mains. Il y aura une puissance. Souffle-toi, Seigneur. Souffle-toi, Seigneur. Soyez concentrés. Il nous reste peu de temps. Si tu rates, tu rates. Dès le début, Christ a dit, nous ne sortirons jamais en ce lieu tel qu'on était venu. Nasa liawa
Nazan zamera mong manide. Nazan.